Vous êtes sur le studio Kalangou, mesdames et messieurs, lâche le beat, c'est quand tu veux. Voilà, Lewa Aboubakar, la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime sur le studio Kalangou. Lewa, comment tu vas? Hey Dondi, ça va? Tu pètes la fin? Ah ben bien sûr. Le voyage ça a été? Le voyage ça a été et le voyage est pratiquement terminé. Dondi. Bien sûr, avec bien évidemment ce temps difficile parce qu'on sait déjà que la pandémie fait ravage à travers le monde. Voyager même c'est compliqué. Je sais que présentement vous êtes confiné de l'autre côté de la France. Alors on vous souhaite en tout cas bon courage et nous souhaitons aussi le meilleur pour le monde entier parce que la question elle est tout simplement planétaire. Alors aujourd'hui, Lewa Aboubakar, nous allons parler de l'artiste. Nous allons parler un peu de ses débuts. Nous allons parler du parcours du combattant. Lewa Aboubakar. Dondi. Parlons de Lewa Aboubakar. Alors, qui est Lewa Aboubakar? C'est la première question qu'on doit se poser. C'est la première question. Oui. Alors, Lewa Aboubakar, pour ceux qui le connaissent, c'était Lawali, c'était Lawan. Et j'étais ici dans les années 98-99. J'étais danseur, chorégraphe. Et j'étais avec mon cousin Bako, Ayuba Tchamogo, Salifou, Babaé. Donc nous, à l'époque, on avait créé ce qu'on appelait le groupe de danse Gabero. Gabero. Voilà, Gabero. Donc nous, on avait commencé à... Parce qu'à l'époque, les gens disaient « Ah, mais la musique nigérienne ne pouvait pas se danser. » Et donc nous, on a fait ce challenge de montrer à tout le monde, aux yeux du monde entier, que la musique moderne nigérienne pouvait se danser et qu'on pouvait danser sur la musique moderne nigérienne. Donc c'est ainsi qu'en 1988, donc, nous avons avec Ayuba, Babaé, mon cousin qui est actuellement en France, Bako, qui avait gagné à l'époque un concours, c'était le premier concours de danse moderne nigérienne. Et donc on a monté, en suivant, il nous a tous appelés, on a monté le groupe de danse Gabero.